À deux, ça capte, on me reçoit. Bonsoir tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien. Et re-bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Stranded Deep. Et pas de temps à perdre, faut que j'aille voir si ce que j'ai pas planté ça a poussé. Et bien pas de surprise, ça n'a pas poussé. Bonsoir Marie-Madeleine. Regardez ça, elle vous salue. Marie-Madeleine pleine de grâce. On va la remettre bien gentiment dans le potager. J'ai lu tous vos commentaires, là cette fois-ci j'ai eu vraiment beaucoup d'astuces. Mais un truc de malade. Donc, j'ai toujours mes petits bouts de bois et tout, parce que comme vous le savez, dans l'épisode précédent, on s'était fait manger par le requin, ça avait complètement tout détraqué, enfin bref, on va pas revenir là-dessus, c'est encore douloureux. Et cette fois-ci, je sais pourquoi on n'arrivait pas à construire le radeau la dernière fois, c'est parce qu'en fait, il faut qu'on mette un sol sur le radeau. Mais je ne le savais pas, puisque moi, la dernière fois que j'avais fait une série sur Stranded Deep, ça remonte à déjà un petit bout de temps, et il n'y avait pas besoin de construire des sols. Il y avait juste besoin de foutre les bouts de bois dans l'eau et rouler bouler, mon vieux, c'était parti. Donc, oula, bah viens ici, toi. Alors, hop. Et ouais, c'est la merde, parce que du coup, j'ai perdu mon deuxième petit bout de radeau avec les boules, là. Bon, c'est pas grave, on va s'en remettre tranquillement. Alors attendez, si j'en crois les commentaires, si je fais ça, voilà, on va tout de suite s'y attaquer là. I need to find water. Ah, également, alors là, celui qui m'a dit ça dans les commentaires, c'est un génie. Attends, attendez, avant de dire que c'est un génie, je veux savoir si ça marche, voilà. Quelqu'un m'a dit dans les commentaires, je n'ai plus ton pseudo, mais tu te reconnaîtras, parce que je crois que t'es le seul à me l'avoir dit. Il me semble que si je fais... non c'est pas ça. D'ailleurs nous sommes le 20 mai, nous avons survécu 8 jours, il est 22h45 et il fait déjà 22,7 degrés. C'est plutôt cool. Donc quelqu'un m'a dit dans les commentaires que si je prends une moitié de noix de coco, il m'a dit que je pouvais remplir. Alors là si ça marche mon vieux. Eh bah non, eh non. Avec une noix de coco entière ça marche les gens. Ah bah regardez ça, c'est bon. On est sauvés. Oh trop fort. Yes, GG franchement la personne qui m'a dit ça. GG. Ouais, il m'avait dit en fait tu prends une demi-noix de coco et tu peux la remplir, mais du coup même une noix de coco entière ça le fait. Oh franchement ça tue quoi, ça déchire. C'est excellent. Bon, et bien du coup les gens, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que maintenant on va prendre 2-3 sticks. Voilà, on va se mettre bien tranquillement. Ça devrait marcher là. Non? Alors attends. Un petit like pour le radeau s'il vous plaît. J'ai réussi, franchement j'y croyais plus. Mais attends, mais là les plans sont complètement changés. Ça veut dire que du coup... Attendez. Laissez-moi m'en remettre là. Ça veut dire que si je fais ça, je prends ça. Ok. Building. Raft. Dis-moi pas que... Arrête. Jure. Ça marche? Oh putain. Oh. Comment qu'il est trop beau. Mes amis, nous l'avons fait. Nous l'avons construit. C'est avec le cœur serré et plein de joie que je vous présente aujourd'hui le Sarado. Mesdames et messieurs, il est là. Acclamez-le. Oui, hashtag le Sarado dans les commentaires. Oh là 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 là. Non, franchement, ça déchire. Concrètement, qu'est-ce qui nous manquait pour faire le moteur? Trois fois rien, je crois. Il nous manque juste ça. Voilà, l'engine. Juste ça. Tout le reste, on les a. C'est marqué zéro, mais c'est parce que je suis pas à proximité. Mais tout le reste, on l'a. Il nous manque juste ça. Eh ben, on va partir à la recherche de ça, mon vieux. On n'a pas le temps. Allez, on va faire un petit dodo, tranquillement. Et on vous retrouve demain matin. Bonne nuit, tout le monde. Ah, quelle bonne matinée qui s'annonce là! Marie-Madeleine, on va partir à l'aventure tous les deux, tu vois. Ça va être un truc de fou. On va vivre le rêve américain. Viens ici. Voilà. Oh putain, ça va commencer à pleuvoir. C'est pas grave, mon vieux. On va y aller. Voilà. Est-ce que tu tiendrais pas, par exemple, toi, sur la voile comme ça, là, non? Si je t'accrochais là. Non? Alors, attends. Attends. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, parce que c'est dur de retenir toutes les astuces. Qui c'est qui m'a dit déjà que le label maker, si j'en crois les dire, avec ça... Je peux renommer. Yes! Bah bien sûr, Marie-Madeleine. Ok. Et maintenant c'est Marie-Madeleine. C'est la vraie Marie-Madeleine. Elle est là. Voilà. Le raft, on va l'appeler le Sarado. Voilà, c'est parfait. Et franchement on en aura appris des choses. C'est plutôt cool. Alors attendez, on va se prendre une petite noix de coco tranquillement avant de partir à l'aventure. On va manger 2-3 coconuts. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est parfait. Et je vais prendre aussi, parce que ça, c'est vrai que j'y pense jamais. On va prendre notre air tank. Voilà, ça c'est impeccable. Écoutez, on prend Marie-Madeleine et on part à l'aventure. Let's go. Donc, nous, faudra qu'on aille vers... Ouais, les nord-nord-est 20 degrés. Par là. C'est nickel. Allez, vas-y. Oh, puis je crois bien qu'il va plus vite celui-là. Bah, bien sûr qu'il va plus vite. Mais il va carrément plus vite. Bougez pas, vous allez voir quand on aura le moteur. Ça va aller encore plus vite, mais un truc de malade. Où est-ce qu'on va aller? Bah, écoutez, on va aller quelque part par là, un petit peu là. On va aller faire un petit tour. Allez, c'est parti. Let's go.
On se jette, on sait pas où, mais on y va. Il a vu, capitaine. Jetez l'ancre, on met les amarres. Mais attendez, ça me dit quelque chose par ici, non? Alors attends, je fais bien de revenir ici, tiens. Ça tombe bien, de toute façon. Voilà, on devait y retourner. On fait très bien de revenir ici. Parce qu'en fait, également, plusieurs d'entre vous m'ont dit dans les commentaires qu'on pouvait ramasser les coffres. Arrête tes conneries. Tu vas me dire que genre, il va mettre un coffre dans son sac à dos. J'y crois moyen, mais pourquoi pas? Si, mon vieux. Je te jure. Voilà, et si je mettais tout ça dans le coffre? Voilà, Marie-Madeleine dans le coffre aussi. Oui, ça marche, mon vieux. Ça, c'est pas mal. Ouh, te dégage, mon vieux. Toi, dégage. Ouh, putain, regardez. On va assister à un combat entre un serpent et un crabe. Ce truc de fou, je me casse de là. Ah, ça aussi. Alors, vous m'avez dit aussi que l'argile, ça se trouvait en fait dans l'eau. Donc ça, j'ai bien lu là-dessus. Et du coup, il faudrait que nous nous craftions une petite pioche. On va directement agrandir le radeau. Mais attends, j'étais déjà venu ici ou pas? Ou alors ça respawn? Vas-y, donne-moi tout ça. On va tout de suite agrandir le radeau. Il est là-bas, notre radeau, hein. On le perd pas de vue, tranquillement. Attendez. On va faire un petit feu de camp. Qu'on va mettre quelque part par ici. Vas-y, fais péter. Allume-moi ça. Et pourquoi je suis blanc à la caméra, là? Voilà, ce sera mieux. Impeccable. Yes. Attendez, on va poser tout ça là. Voilà. Yes. Bah là, je vous le dis, c'est l'aventure totale, hein. Reste avec nous. Voilà, ici, c'est parfait. Il est où notre ado? Il est là, c'est impeccable. Bon, on va aller chercher de la fibre, les gens, tranquillement. Attends voir, viens ici, toi, le saint radeau. Il est de toute beauté, il est tellement magnifique. Je le kiffe, quoi, c'est un truc de fou. J'ai pas de marteau. Ah merde. C'est pas grave. Je vais en faire un. Une corde, du bois et deux cailloux, on va tranquille. Un caillou, yes, il y en a un là. C'est parfait, et maintenant... Vas-y, crac. Crac. Oh yes. Oh yes. C'est cool ça. What? Ah yes. Yes. Oh, c'est parfait. C'est parfait, regardez ça. On va l'agrandir encore une fois. Crac. Crac. Oh putain. Oh putain, mon vieux. Attends. Il y a moyen que... Non? Non, bah non, c'est bon. C'est parfait. C'est nickel. Oh là là, regardez ça, on part avec un radeau de compète, quoi. Bon, du coup, je vais faire un petit peu le tour là-dedans, parce que visiblement, on n'a pas tout fouillé. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est un engine qu'il nous faut. Allez, vas-y, ça au pire. Ça m'intéresse pas. On va aller voir là-bas. Alors là, les gens, je vous le dis, si on trouve un engine, on est refait. On est refait. Non, ça m'intéresse pas. Oh, attendez, je crois que je vais prendre le coffre. Il y a des bandages. Ça m'intéresse. Vas-y, au pire, attends. Est-ce que je peux glisser un coffre dans un coffre? Non. Au pire, je peux faire ça. Voilà, nickel. Et puis, donne-moi le coffre. Oh là là, comment qu'on s'est bien mis, là. Bon, on se casse de là. What? Attends. Tout le monde est là? Ah oui, Marie-Madeleine, elle est... Je l'ai enfermée dans le coffre. Bon, c'est pas grave, elle est bien dans le coffre. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va partir ailleurs. Je vais prendre ma boussole. Donc nous, on est plus... on est vers dans cette direction. Ouais, on est par là, quoi. Allez, let's go. En avant. Yes. On est revenu sur notre petite île. Donc ça, c'est cool. Hop là, viens ici, toi. Je voudrais pas que tu t'envoles. Et franchement, putain, comment qu'on s'est mis bien, là. J'ai des coffres de rangement et tout, mon vieux. Voilà, on va ranger un petit peu comme on peut. Putain, laisse tomber, mon vieux. C'est une décharge là-dedans, quoi. C'est un truc de fou. Crac, crac, crac. Hop là, regardez ça. Vous voyez, elle était dans le coffre, Marie-Madeleine. Impeccable. On a soif, ça commence à faire jour. Putain, on aura fait nuit blanche. Eh, franchement, c'est cool le petit coup de la noix de coco là. Hein. Oh là là, on a passé nuit blanche. Bon, on n'est pas trop fatigué. Ça va, tranquille. Bon, on se barre de là. Let's go. Putain, mon vieux, ce bordel que c'est pas sur notre île. C'est un truc de fou, quoi. Où est-ce qu'on va aller un petit peu? Écoutez, moi, je suis bien chaud. Je suis bien chaud pour aller là-bas. On n'y a jamais été. Même là-bas, tu me diras. On va aller sur celle-là, là-bas, derrière. Allez, let's go. Il a vu. Oh, putain, regardez ça. Il y a carrément des épaves et tout à fouiller. Non, on est jamais parti ici, nous. Jamais. On va aller fouiller tout ça. Allez, vas-y. Hop. Larguez les amarres. Stop. Oh, putain, oui, regardez ça. Allez, vas-y. T'es prête? Bouge-toi le nez, on plonge. C'est parti. Des pneus, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Disons que ça va plus m'encombrer qu'autre chose pour le moment. Attendez, on va remonter, tranquillement.
On va remonter. On va voir s'il n'y a pas autre chose un petit peu. Ah oui. Oui, il y a autre chose. Il y a autre chose, mais ça va être chaud. Ça va être très chaud. On va essayer d'y aller par l'arrière. Oh, regardez ça. Regardez ça, il y a un coffre. On va même pas s'occuper de ce qu'il y a dedans. On va tout ramasser, quoique. On peut l'ouvrir histoire de voir. Vas-y, allez. Je ramasse. C'est bon. Bon, pour l'instant, pas de requin en vue. Allez, let's go. Let's go. Putain, il y a des tonneaux, ça aussi, ça se ramasse. Vas-y, hop, allez. Je me fais plus chier maintenant, mon vieux. Je ramasse tous les coffres. Hop, ok, vas-y, je remonte. On remonte. Ouais, comment que c'était chaud. Allez, vas-y, go. Go. Les tonneaux, je pense pas que je vais pouvoir les prendre comme ça. Y'a plus rien? Bah non, y'a plus rien. Ok, c'est vide. Allez, on remonte. Hop. Yes. Ouais, nickel. Franchement, nickel. Attendez, parce qu'il y a encore des épaves à fouiller en plus. On s'est mis super bien. Regardez. Il y a encore une épave à fouiller ici. On va aller voir. Ouais, il y a des tonneaux et tout à ramener là. Ouais, je vais pas pouvoir les ramener. La dernière fois, j'avais testé d'en ramener je sais plus où, mais c'était la misère. Attends, peut-être qu'on peut passer. Non. Attends, on va remonter. Ouh, regardez ça. Il y a un coffre. Il y a quoi là-dedans? Y'a rien? Il est vide? Ça voudrait dire que je suis déjà venu ici? Bah écoutez, je le prends, c'est pas grave. Voilà. Ça peut toujours servir, un coffre. Ouh, regardez. Y'a peut-être... Non, je suis jamais venu ici. Bah non, je suis jamais venu ici. Attends. Voilà. Ah, on peut respirer là. Oh yes, on peut respirer comme ça. Je vais me bugger tout à l'heure, moi. Yes, encore une boussole. Vas-y, respire. Voilà. Ah yes, c'est cool quand il y a des petites poches d'air et tout comme ça. Là, tu peux te mettre bien. Ah merde, c'est plein. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouh, attendez, j'ai pas vu un requin. Ah si, j'ai vu un requin. Putain, j'ai vu un requin. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas, notre ado? Putain, il est emporté par le large, quoi. On va le chercher. Il y a encore une épave par là, non? Oh, il y a un truc à fouiller par ici. Putain, merde! Vas-y, remonte! Monte! Yes! On va se garer sur l'île tranquillement, là. On va faire un petit créneau entre les deux récifs, là. Hop, yes! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des sables mouvants ou je sais pas quoi, non? Ouais, non. Ah si, peut-être. Non, je sais pas. Il y a une autre épave à fouiller là-bas. On va aller voir ça tout de suite. J'espère juste qu'on va pouvoir trouver le moteur. Ça fait plus ou moins 2 heures que je joue à Stranded Deep en visitant les quelques îles que j'ai déjà visitées, histoire de me stuffer. Et là, j'ai décidé de partir loin. Vraiment assez loin quand même. Et du coup, on est sur une toute nouvelle île. Et je vois une épave là-bas déjà. On va aller visiter celle-là ensemble. Donc les autres, c'est des îles où j'étais déjà passé. J'ai fait vraiment une grosse coupure là les gens, parce que franchement, je trouvais pas spécialement grand chose d'intéressant. Le problème maintenant, c'est où est mon île? Je ne saurais plus vous dire. Franchement, je ne sais pas. Si je crois que... Je suis même pas sûr que c'est celle-là là-bas. Je crois qu'elle est derrière encore. Je sais plus franchement. Bon allez, en espérant qu'on trouve un engine, ce serait plutôt cool. Allez vas-y, dis-moi qu'on va trouver ça là. Franchement, ce serait excellent. On serait refait là. Nous avons dans la cabine du capi-chef. Qu'est-ce que nous avons? Eh ben nous avons de la merde. Oh! Mauvaise langue que je suis. Crac. On prend tout ça. Ah bah alors là les gens, là, je vous explique même pas le délire. Là, on va retourner à la base, on va poser le moteur tranquillement et on va se mettre super bien. Oh, mais c'est juste excellent, quoi. Oh là 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 là. Attendez, parce qu'il y a une autre épave à fouiller là-bas. Bah alors là, tu sais, c'est le coup, dès que t'en trouves un, t'en trouves 10 derrière. Je suis sûr qu'il y en a encore un là-bas. Et puis, il y a encore une épave là-bas, c'est un truc de fou. Des tonneaux, ok, d'accord. Parfait, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vas-y, je prends. Je prends le coffre carrément. Ah bah maintenant que je sais qu'on peut prendre les coffres, je me fais même plus chier. Je prends les coffres directement moi. J'embarque le tout quoi. Y'a quoi là-dedans? Vas-y, je prends.
plus de place déjà. Ok, d'accord. Bon, et ben on est plein, les gens. On va tenter de rentrer sur l'île tranquillement. Et on va installer le moteur. Allez, c'est parti, let's go. À mon avis, quand je vais rentrer, il y a des chances que ça fera nuit. Je vais vous annoncer officiellement une nouvelle. Voilà. On est perdu. Voilà, tout simplement. Je ne retrouve plus notre île. Je ne sais plus où aller. Là, sincèrement, j'en ai aucune idée, quoi. Je sais même pas où est-ce qu'on est ou quoi. Bon, écoutez, je crois qu'on va devoir jeter l'ancre ici pour ce soir. Parce que là, ça sert à rien que je me jette en pleine mer de nuit comme ça. Je vais faire que de tourner en rond et je vais me perdre. Je vais... Oh putain, mon dieu, mais je suis tellement... Je suis tellement blindé, là. Bon, je nous ai construit un petit camp pour la nuit. On va sauvegarder ici, tranquillement. En tout cas, j'espère que la prochaine fois, on va réussir à retrouver notre île. Parce que là, franchement, on a les moteurs et tout. C'est un truc de fou. Donc, ce serait bien dommage si on la perdait. Mais... J'y crois, il faut y croire de toute façon, il faut rester positive. En tout cas les gens, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve une prochaine fois pour la suite des aventures. Et je vous dis ciao tout le monde, bye bye.